Mamadou Traoré, le tueur aux mains nues. Quand il agresse des femmes à coups de poing, cet homme est tellement violent qu'elles en sortent défigurées et toutes amnésiques. Elles ne se souviennent de rien encore aujourd'hui. Il en a agressé 6. Il en a tué 2 à coups de poing, ce qui lui a donc valu ce surnom de tueur aux mains nues. Et pour sa défense au procès, il n'a rien trouvé de mieux que de dire qu'il était marabouté, ensorcelé depuis son enfance et qu'il n'avait pas le contrôle de lui-même. Traoré appartient à cette catégorie de tueurs fous que la justice ne reconnaît pas comme malades mentaux et qui croupissent en prison alors que leur place serait à l'hôpital psychiatrique. Mardi 23 avril 1996, à l'angle de l'avenue de Choisy et de la rue Philibert-Lucot, dans le 13e arrondissement de Paris. 6h45 du matin, le libraire s'apprête à ouvrir. Comme chaque matin, il passe par cette entrée d'immeuble pour accéder à son arrière-boutique. Mais ce jour-là, dans le hall, il tombe sur une femme recroquevillée par terre. Elle est blessée. Il appelle les secours. Les pompiers arrivent. Les pompiers tentent de lui poser quelques questions pour savoir ce qui s'est passé, mais bon, elle est fortement traumatisée. Elle a le visage enflé, tuméfié, vêtue seulement d'un soutien-gorge et d'une mini-jupe. Une veste était posée un peu plus loin et avec seulement une chaussure à talons. Elle peut seulement dire son nom, Daniel Batty, et nous donner son adresse, rue Gandon, c'est à proximité du lieu où elle est découverte. Il s'avère que Daniel Batty a 35 ans, qu'elle habite seule, à une centaine de mètres de là, au 13 de la rue Gandon. C'est une jolie femme, a priori, sans histoire. Elle est secrétaire trilingue dans une société d'import-export. Ce qui est certain, c'est qu'elle était en partie dévêtue, donc on a tout de suite pensé à une agression sexuelle, pour le moins. Maintenant, elle n'avait plus ses affaires, donc il y avait peut-être vol aussi. Et au départ, on était vraiment dans l'attente d'éléments plus fiables pour savoir ce qui avait pu se passer. Daniel Batty est transporté dans un état critique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L'examen gynécologique montre qu'elle n'a pas subi d'agression sexuelle. Elle souffre de plusieurs fractures au visage et d'un traumatisme crânien sévère. Sur les lieux de l'agression, la police judiciaire arrive trop tard pour relever des empreintes, car depuis le départ de Daniel Batty vers l'hôpital, la scène de crime a été souillée par le passage des habitants de l'immeuble. L'affaire, l'agression en elle-même, a été mal appréciée dès le départ, puisque là, on n'avait pas de, sur une scène de crime, on n'avait pas de photos, pas de relevé d'empreintes éventuellement. Il n'y avait absolument rien. Je pense qu'il y a eu effectivement un manque d'appréciation de la gravité des faits et de la nature des blessures. À part une enquête de voisinage, la police judiciaire ne peut pas faire grand-chose. On retrouve deux résidents qui apportent un témoignage assez important. Un premier témoin qui nous dit avoir entendu du bruit dans le hall d'immeuble vers 2h du matin. Et un second témoin qui nous dit être entré dans ce hall d'immeuble vers 3h, avoir constaté sur le sol des traces de vomissures, mais n'avoir pas prêté attention à un corps qui pouvait se trouver dans un petit renfoncement derrière la porte. Daniel Batty a donc été agressé entre 2h et 3h du matin. Les policiers comptent maintenant sur son témoignage. Le soir même, ils sont à l'hôpital pour l'interroger. Elle n'a aucun souvenir de son agression. Pour elle, c'est le trou noir. Donc, sa soirée, c'est le trou noir. Elle ne peut pas en parler. Elle n'en parle pas. Et elle veut qu'on la laisse tranquille. Elle veut qu'on la laisse se reposer. Mais dans tout ce qu'elle disait, il y avait le nom d'un individu qui revenait. Donc c'était le nom d'un tenancier d'un karaoké de la rue Philibert-Lucot, rue dans laquelle elle a été découverte.
le gérant de Queen Bee. Daniel Baptiste semble bien le désigner comme étant l'agresseur. Elle raconte qu'elle a passé la soirée avec lui, qu'ils ont dîné ensemble et qu'ensuite il a essayé de la violer et qu'il l'a frappée. Il se trouve que la nuit de l'agression, vers 3 heures du matin, une passante a retrouvé devant le karaoké un jeu de clés et une chaussure qui appartiennent à Daniel Batty. Le gérant du Queen Bee devient le suspect numéro 1. Deux jours plus tard, deux maîtres chiens de la RATP découvrent le sac à main de Daniel Batty sur une voie ferrée, sous le pont de la rue Gandon. Dans ce sac, il y a un élément très intéressant, c'est son agenda, l'agenda de Daniel Batty, sur lequel elle notait tout ce qu'elle faisait, ses rendez-vous, etc. Et on apprend que ce soir-là, elle avait prévu de dîner avec une dame du quartier, Madame Desquien. Le soir du 22 avril, Daniel est venu, je crois que c'était pour 20h, mais comme d'habitude, j'avais l'habitude, il n'y avait rien d'exceptionnel à cette soirée. C'était une soirée entre filles, comme on le fait, un petit repas amical et tout ça. Rien de spécial. On a beaucoup parlé, on a beaucoup ri, parce qu'elle était très gaie et moi aussi. On a bu une bouteille de vin, toutes les deux, du rosé, et après, elle m'a quittée pour rentrer chez elle avec sa petite chienne. Si Daniel a dîné avec Josette, elle ne pouvait donc pas être avec le tenancier du karaoké. Les policiers réalisent que le choc qu'elle a reçu à la tête l'a sans doute fait délirer. Du coup, le tenancier de Queen Bee, qui était le principal suspect, est mis hors de cause. Les policiers peuvent maintenant reconstituer la soirée de Daniel. Elle a quitté Josette vers 1h30 du matin pour se rendre dans ce karaoké qu'elle fréquentait depuis quelque temps. Et c'est en arrivant devant le bar, fermée plus tôt ce soir-là, qu'elle a sans doute croisé son agresseur. Faute de piste et au bord d'abandonner l'enquête, les policiers décident d'entendre une dernière fois Daniel Batty. Ils retournent à l'hôpital. Mais son état a empiré. Daniel Batty ne se souvient plus de rien. Elle est maintenant totalement amnésique. Daniel était une très belle fille. Très jolie, agréable, toujours en train de rire, de sourire, de s'amuser, de vouloir s'amuser. C'était une fille pleine de vie. Et après son agression, c'était plus la même personne, croyez-moi. Le crâne et le visage fracassés, Daniel Batty conservera toute sa vie des séquelles de cette agression. Daniel Batty, est-ce que vous avez retrouvé des souvenirs de votre agression ? Non. Non, je me souviens absolument pas de aujourd'hui encore. Non, non. J'ai mis très longtemps à récupérer la mémoire. J'avais aucun souvenir, c'est sûr, de l'agression, mais je mélangeais beaucoup de choses, du passé, du présent. Je mélangeais beaucoup de choses. J'ai mis, on peut dire, un an et demi à récupérer, à ce que tout se remette bien en place. Et si on faisait la liste des conséquences de cette agression sur votre vie privée et personnelle, votre vie a totalement changé du jour au lendemain? Ben oui, du jour au lendemain, je n'ai plus d'appartement. Je suis chez mes parents un peu en convalescence et puis je n'ai plus de travail. J'étais agressée au mois d'avril. J'ai essayé de reprendre le travail, je crois, en mois de juillet. Je me souviens plus très bien, mais je sais que c'était très très dur. Et puis j'ai replongé, entre guillemets. Après, je n'y suis pas arrivée. Je n'y arrivais pas, ça durait 4-5 jours. Et puis je ne pouvais pas, quoi. Non. Donc vous avez tout perdu à la suite de cette agression? Oui. Votre travail, votre appartement, vous êtes retrouvée chez papa-maman? Ben oui, parce qu'à 38 ans. En fin de compte, quand j'ai fait le dernier hôpital à Soisy-sur-Seine, au mois de... J'en suis sortie fin août. La psychiatre là-bas a dit à mes parents que j'étais incapable de rester toute seule. Donc s'ils ne me prenaient pas en charge chez eux, à leur maison, et s'occupaient de moi et tout le reste, que je ne sortirais pas. Qu'est-ce qu'il reste comme séquelles aujourd'hui? Physiquement, j'ai perdu le goût et l'odorat. Totalement. Ouais. Comme je disais, je crois que c'était aux policiers, le saumon fumé ou du foie gras, enfin du foie gras et du canigou, je ne sais pas si on le met dans la bouche, je ne sais pas faire la différence.
cinq semaines plus tard, le 4 juin 1996, pas très loin de la rue où Daniel Batty a été agressé, une mère et ses deux filles de 11 et 16 ans dorment paisiblement. C'est l'été, il fait chaud, la mère a laissé la fenêtre du salon ouverte. À 4h30 du matin, l'aînée est réveillée par les gémissements de sa petite sœur. Elle se dirige vers sa chambre. La petite est allongée par terre, sur le dos, le visage en sang. La brigade des mineurs est chargée de l'enquête. J'arrive dans une chambre et là, du sang partout. Du sang par terre, sur les vêtements, sur la couette. La victime n'était plus là, mais on a senti que c'était quand même passé quelque chose de grave dans cette pièce. La police relève de nombreuses empreintes digitales dans la chambre. Puis se rend à l'hôpital pour entendre la petite. Et lorsque je rentre dans la chambre, je vois une mineure allongée dans un lit qui dort, le visage complètement tuméfié, les lèvres rougies, gonflées, les yeux, pareil, c'était horrible à voir. Franchement, ça m'a pris les tripes. Et elle avait sur sa joue gauche un rond rouge qui correspondait comme une pièce de monnaie. Et impossible, on essayait de discuter avec elle, mais elle se souvenait de rien. Le néant. Cette marque parfaitement circulaire sur la pommette gauche intrigue les policiers. On dirait une brûlure d'allume-cigare. La première piste des policiers, c'est une affaire intrafamiliale de mauvais traitement. Et les premiers interrogatoires vont porter sur la mère, sur la sœur. Est-ce que la sœur n'a pas une rivalité avec sa petite sœur? Est-ce que la mère ne serait pas maltraitante? Alors qu'il y a des empreintes de pas dans les bacs à fleurs sur la petite terrasse, qu'on en retrouvera en bas. Donc on voit bien que quelqu'un s'est introduit dans la maison et on pense à la famille. Les résultats des prélèvements réalisés dans la chambre indiquent que les empreintes digitales ne correspondent ni à celles des filles, ni à celles de leur mère, ni à aucune fiche de police d'ailleurs. Les policiers interrogent alors les voisins et s'orientent sur une affaire de racket qui aurait mal tourné. Alors on va entendre les voisins qui vont corroborer que oui, la grande sœur, elle a 16 ans à l'époque, donc oui, elle fréquente des gens de son âge. C'est extrêmement surprenant de fréquenter des gens de son âge à 16 ans qui vont parfois fumer des cigarettes dans le parking. Donc oui, voilà, elle fume, oui, elle écoute de la musique, oui, fort, ou voilà, elle écoute de la musique fort. De la musique rock'n'roll, même. On a des propos comme ça de voisins qui sont d'une débilité rare. Bon, des choses vraiment folle. Et on part sur ces pistes-là. Après plusieurs semaines, l'enquête n'a rien donné. La petite ne se souvient de rien et l'auteur des empreintes court toujours. Ces deux agressions ont lieu dans le même quartier, le 13e arrondissement de Paris. Mais la police ne fait pas le lien car deux équipes différentes s'occupent de ces affaires, le commissariat du 13e et la brigade des mineurs. Et pourtant, les deux dossiers ont un point commun. Les deux victimes ont été cognées au visage avec une telle violence qu'elles sont toutes les deux amnésiques. Deux affaires donc, et bientôt trois. Dimanche 25 août 1996, rue Caillot dans le 13e arrondissement de Paris. À 8h du matin, une femme remarque le chien d'une de ses amies couché devant la porte d'entrée d'un immeuble. C'est le chien de Nelly Bertrand. Elle en est sûre. Mais il est tout seul. Bizarre. Et dans le caniveau, une chaussure de Nelly, qu'elle reconnaît aussi. Elle alerte le gardien. Il y avait une chaussure d'un côté de la rue. Il y avait son chien de l'autre côté. Et après, j'étais faire un petit tour. Quand je suis revenu, il y avait une autre chaussure de l'autre côté avec des boucles d'oreilles et un petit peu de sang dans le caniveau. Les policiers arrivent rapidement sur les lieux. Ils suivent les traces de sang qui les mènent jusqu'au dernier étage. Et tombe sur le corps d'une femme, morte, à moitié nue, le visage recouvert d'un blouson. Cette femme porte encore ses bijoux
au doigt, autour du cou. Et le fait que l'on voit sa poitrine dénudée, tout de suite, pour moi, ce qui saute aux yeux, c'est que c'est une agression sexuelle, puisque les bijoux sont encore là et que donc l'auteur n'a pas jugé utile de les prendre. C'est donc que cela ne l'intéressait pas. Sur les jambes, le ventre et les seins, pas de blessure apparente. Mais le visage, lui, n'est pas beau à voir. Une fois qu'on a enlevé le blouson, on découvre un visage particulièrement tuméfié. Il y a du sang qui barbouille les traits. C'est un visage qui est méconnaissable. Elle s'appelait Nelly Bertrand. Elle avait 40 ans et vivait seule dans un immeuble de l'avenue d'Italie. Elle était hôtesse d'accueil à la gare d'Austerlitz et commençait son travail à 6 heures du matin. Avant de partir, tous les jours, elle promenait son chien. Elle empruntait toujours le même itinéraire. Rue Gandon, rue Caillou. C'est là qu'elle a croisé le chemin de son assassin vers 5 heures du matin. Personne n'a rien vu, personne ne peut nous parler de l'agression, donc on ne sait pas qui on cherche. On ne sait même pas s'il n'y avait pas deux ou trois personnes. On ne sait rien sur l'agresseur de Nelly Bertrand. Les policiers passent les lieux du crime au peigne fin. Si ses chaussures ont été retrouvées sur le trottoir, c'est qu'elle a été agressée dans la rue, puis traînée à l'intérieur du hall de l'immeuble. Sur la porte vitrée, ils relèvent deux empreintes digitales. Les traces de sang dans le hall conduisent vers l'ascenseur. Là encore, ils trouvent une empreinte de doigt. Mais l'œil exercé du commandant Diepois est aussi attiré par deux minuscules taches blanches. C'est des postillons, deux gouttelettes de salive qui étaient accrochées à la moquette murale de l'ascenseur, qui scintillaient sous l'effet de la lumière. Même si le postillon était minuscule, on le voyait briller comme un petit diamant, en fait. Et donc, c'est ce qui a attiré notre attention. Les policiers découpent le morceau de moquette de l'ascenseur et l'envoient au laboratoire. Certains que ce postillon est un élément capital pour l'enquête. Ce postillon, on en était sûr, c'était celui de l'auteur. On en était sûr. Il s'agissait simplement de trouver à qui il appartenait. Un mois et demi plus tard, le laboratoire confirme qu'il s'agit bien de salive humaine. Ils ont donc une empreinte génétique et ça pourra servir un jour. Didier Ducoudray, vous êtes l'un des juges d'instruction qui a travaillé sur cette série d'agressions. Alors, dans l'affaire Nelly Bertrand, les policiers disposent d'un ADN, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'enquête, mais ça ne permet pas de remonter jusqu'à l'auteur, n'est-ce pas ? Non, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore de fichier national d'empreintes génétiques. C'est quelque chose qu'on appelle déjà de tous nos voeux, mais qui n'a pas encore été mis en place. Il y a des réticences politiques, des réticences techniques. Ça fonctionnera plus tard, mais là, pour l'époque, c'est trop tôt. C'est presque une hypothèse fiction. Alors, il y a une piste qui est ouverte par la violence quand même des faits. C'est-à-dire qu'elle a été massacrée, cette femme. Son visage est totalement défiguré. Ça dit quoi, ça ? On a affaire à quelqu'un qui se déchaîne sur ses victimes et qui est capable d'avoir un degré de violence assez inouï. Ça, c'est tout ce que je peux dire. On est capable de dire avec quoi il a massacré ses femmes ? Non, absolument pas. Ça peut être avec une masse, avec une batte de baseball. Disons que je n'ai pas souvenir précisément de ce problème-là, mais ce qui a frappé, c'est la sauvagerie de l'agression, c'est la barbarie du procédé, mais pas tellement. Je n'ai pas souvenir, en tout cas, qu'on ait extrapolé à partir de ces éléments-là pour en tirer un profil psychopathique ou quelque chose comme ça. On en est là quand, deux mois plus tard, le 30 octobre 1996, une nouvelle agression a lieu, cette fois dans un parking du 12e arrondissement de Paris, mais juste à la lisière du 13e. Et là, les policiers vont avoir de la chance. 30 octobre 1996. Florence quitte son bureau aux alentours de 21h30. Elle rentre chez elle dans le 12e arrondissement de Paris.
près de Bercy. Vers 22h, elle gare sa voiture au deuxième sous-sol de son parking. À 23h, un locataire découvre son sac à main dans le parking, avec son portefeuille et son passeport. Ce voisin tente de la joindre, mais elle ne répond pas au téléphone. À 8h le lendemain matin, il vient voir le gardien. Il lui explique qu'il a trouvé le sac à main de Florence dans le parking, mais qu'il n'arrive pas à la joindre. Les deux hommes se dirigent alors vers le parking et ils entendent des gémissements. On est descendu et c'est là qu'on a vu une femme complètement dénudée, méconnaissable. Il y avait du sang partout, sur les murs. Les pompiers, après, sont arrivés et la dame était intransportable. Donc, elle était en réanimation sous-sol pendant une heure. C'était une dame que je connaissais et que je n'ai pas reconnue sur le coup, quoi. Florence a passé toute la nuit dans le froid. À moitié nue, sur le sol en ciment d'un palier de 6 mètres de long et d'un mètre de large. 11 heures à se vider de son sang. Ce passage n'est utilisé qu'en cas de panne d'ascenseur. Elle a eu vraiment de la chance qu'on soit passé par là. Personne ne passe ici, pratiquement personne. C'est très rare, ça peut être 2 jours ou 3 jours sans passage ici. Lorsqu'elle est prise en charge par les services hospitaliers, elle est dans le coma. Elle doit subir de très lourdes interventions dans un premier temps pour lui sauver la vie et pour essayer de faire au moins les actes d'urgence nécessaires. Je crois que dès les premières opérations chirurgicales, elle fera l'objet de la pose de 80 agrafes en titane à l'intérieur du crâne pour permettre aux organes de se consolider. Les policiers sont à cran. C'est la troisième femme qu'ils retrouvent dénudée et défigurée dans cette partie de la capitale. On s'oriente tout de suite sur un crime de rôdeur. Un rôdeur avec un caractère sexuel, puisque je rappelle qu'elle a été retrouvée le bas du corps dénudé. Hein. Les policiers examinent d'abord l'emplacement de parking où se gare la victime. On retrouve tout de suite à proximité une grande traînée de sang, comme quelque chose d'assez circulaire, qui laisse penser, enfin s'il y avait des gouttes, qui laisse penser à un coup violent qui aurait été porté, avec donc une giclée de sang. Et ensuite, tout le parking, c'était au deuxième sous-sol, est jalonné de son sac à main, d'une chaussure, de sa sacoche, d'une boucle d'oreille. Si vous voulez, on en retrouve un petit peu éparpillé partout. Vraisemblablement, la victime s'est débattue. Il y a eu lutte avant qu'elle se retrouve donc dans son petit réduit, là où elle a subi d'autres violences encore. Entre la place de parking et l'endroit où Florence a été retrouvée, il y a 125 mètres. Près de Florence, 2 cartes de visite et sur l'une d'elles, un poil. Les policiers prélèvent aussi des échantillons de sang et photographient des traces de pas. Au départ, on se disait, bon, on a plein d'éléments qu'on a récupérés partout, ça va parler, comme on dit entre nous, les objets vont parler. Les objets ne parlent pas. On a éventuellement de l'ADN, on a des traces papillaires, mais qui ne veulent rien dire pour nous. Eh oui, car l'ADN relevé est celui de la victime. Quant aux empreintes digitales, elles ne figurent pas au fichier. Encore une enquête sans piste. On sait juste que l'agression a eu lieu entre 22 et 23 heures. Ça ressemble à un crime de rôdeur. Les policiers interrogent le voisinage et ça sera payant. Vers 20h15, environ une heure avant l'agression, une habitante de la résidence a croisé un homme louche dans le parking. Je garde ma voiture au moins 3. J'ai beaucoup de dossiers sur le siège avant droit. Je les range. Donc la lumière s'éteint puisqu'il n'y a plus de mouvement dans le parking.
Et d'un seul coup, j'entends des grands bruits de pas et la lumière qui s'allume fortement dans le parking. En fait, je lève la tête et je vois un jeune homme, de race noire, qui juste apparaît, regarde dans ma direction, voit qu'il y a quelqu'un et il disparaît. Annie sort de sa voiture, se dirige vers l'ascenseur, puis elle revient sur ses pas pour voir si l'homme est bien parti. Elle avance sur la pointe des pieds et tombe nez à nez avec lui. Je me suis mis en colère et je l'ai agressé verbalement pour lui dire de ressortir, qu'il en avait marre de voir ces jeunes qui venaient effectivement saccager les véhicules. Je l'ai agressé vraiment assez fortement. Et les premières secondes, il ne dit rien, il me regarde. Il ne bouge pas, il a les bras le long du corps. Heureusement, au fond du parking, une voiture vient de démarrer. Quand il a dû entendre le moteur, lui aussi, il a vraiment fait demi-tour. En remontant dans la rampe d'escalier, il m'a dit « je ne sais pas ce qu'elle veut, pourquoi, qu'est-ce qu'elle dit celle-là ?» Enfin, des paroles un peu incohérentes, mais essayant de signifier qu'il n'était pas d'accord avec ce que je faisais. Et après, je ne l'ai plus revu. Annie l'a sans doute échappé belle. La voiture qui vient de démarrer passe maintenant à sa hauteur. À son bord, deux jeunes hommes. Eux aussi croisent l'individu qui fait mine de se diriger vers la sortie. Ils sont donc trois à l'avoir vu une heure avant l'agression. Avec le concours de l'identité judiciaire, le 4 novembre 1996, trois portraits robots sont dressés. Problème, les portraits robots sont très différents les uns des autres. Retrouver par rapport à un portrait robot un noir dans Paris, c'est pas le portrait robot qui va nous désigner l'auteur. En revanche, ce que l'on fait, c'est qu'on va effectivement rechercher tous les types d'agressions qu'il peut y avoir sur Paris pendant une certaine période. Donc ce qui va permettre de sortir un album photo de plus de 300 clichés qui sont représentés à nos trois témoins. Ça ne donne rien. Les trois témoins désignent des individus différents et ne sont même pas sûrs de leur propre choix. En revanche, la description fournie par Annie est précieuse. C'est un vrai signalement. Non seulement elle a quand même du cran, elle a du courage, elle va au-devant, hein, c'est pas ce qui peut lui arriver. D'ailleurs, elle aurait pu lui arriver pas mal de choses. Et surtout, elle a un témoignage qui est capital. Elle nous décrit l'individu d'une manière sensationnelle. Il dit, voilà, c'est un grand blague, il fait 1m80, il a noir, très noir de peau, il a un blouson aviateur, revers en fourrure, il est habillé comme ci, comme ça. Voilà. Donc c'est une piste, c'est la seule piste qu'on ait au départ, hein, mais ce n'est pas forcément la bonne. Hein. Bon, ça, il peut très bien avoir ce gars qui est dans le parking, mais qui n'a rien à voir avec notre victime. Monsieur le juge, je voudrais qu'on parle de la victime, parce qu'elle a quand même un profil un peu particulier. Qui est-elle ? Alors, c'est une femme qui a une trentaine d'années, plutôt jolie femme, d'un niveau un peu supérieur à la moyenne. C'est quelqu'un qui est chef de cabinet d'un ministre, ministère du boulevard Saint-Germain. Dans cette affaire, les policiers ont la description d'un homme qui était là, sur place, dans le parking, à peu près une heure avant. Mmh. À partir de là, puisqu'on a un portrait robot, qui est réalisé par les trois témoins. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que vous faites ? Diffuser ce portrait, faire passer le message dans les services de tout l'Est parisien. Les recherches vont se porter sur le 11e, le 12e, le 20e, le 19e, le 13e. Ça veut dire que toutes les patrouilles, par exemple, ont ce portrait robot ? Il y a des consignes, c'est que les patrouilles ont ce portrait robot, elles ont un descriptif, et on leur demande de faire leur travail de policier, c'est-à-dire de repérer qui dans la foule, ou dans ceux qu'ils connaissent, parce que les policiers de quartier aussi connaissent leur secteur, et peut-être ont déjà une idée de à qui ça peut correspondre ou à qui ça pourrait correspondre. On fait avec les moyens existants ou on mobilise du personnel supplémentaire ? Je crois qu'on mobilise toute la police de proximité, tous les gardiens de la paix. Je sais que les officiers de la criminelle ont fait un énorme travail de sensibilisation parce que c'était important. C'est courant ce genre de mobilisation, là ? Mais je pense que sur des crimes qui sont peu courants, on peut
avoir des techniques de recherche un peu moins courantes que les techniques ordinaires. Je vous pose la question parce qu'évidemment, comme la nouvelle victime est la chef de cabinet d'un ministre en exercice, je me dis que peut-être ça a donné des moyens supplémentaires. J'ai pas souvenir qu'on en ait fait des tonnes en plus parce que c'était son cas. Je crois qu'on en a fait des tonnes pour tout le monde. Début décembre, l'opération est menée dans 4 arrondissements de Paris. Quelques jeunes noirs sont interpellés et très vite relâchés. Le 17 décembre 1996, à 21h45, à l'angle de la rue Philibert-Lucot et de l'avenue de Choisy, à quelques mètres seulement de l'endroit où Daniel Batty a été agressé, 3 îlotiers tombent sur un individu qui correspond au signalement. Il est noir. Il porte un blouson d'aviateur en cuir avec un large col de fourrure. Il est sénégalais. Il a 23 ans. Il s'appelle Mamadou Traoré. Il a un plâtre au poignet gauche, à la suite, dit-il, d'un accident de travail. Dès le lendemain, les policiers demandent à Annie de les rejoindre au 36 Quai des Orfèvres. Au Quai des Orfèvres, eh bien, c'est comme dans les films, hein, faut le vivre pour le croire. Je me suis retrouvée donc, dans les étages, sous un escalier, derrière une vitre, où 4 individus sont mis devant moi. En fait, il y avait une personne avec le même regard, mais j'ai dit, il a le même regard, mais c'est pas lui, et c'est le quatrième. Et le numéro 4 était bien celui qu'ils avaient appréhendé. Ils ont sorti le blouson et effectivement, le blouson était une des pièces maîtresses puisque c'était avec ça qu'il avait été arrêté. Annie a reconnu l'homme qu'elle a croisé dans le parking, mais ça ne peut pas suffire. Il faut des preuves, il faut des aveux. Et lors du premier interrogatoire, Mamadou Traoré, chic, comme disent les policiers. Il nous balade toute la journée sur ses domiciles. Il nous dit au départ qu'il nous donne le domicile de sa mère. On se rend très rapidement compte qu'il n'habite plus à ce domicile depuis pas mal de temps. Il nous dit habiter chez une copine dont il ne veut pas donner le nom, parce qu'il ne veut pas qu'elle soit embêtée. Enfin, il nous balade vraiment toute la journée. Ce qui est un petit peu le comportement d'un voyou, c'est-à-dire que pendant que les flics y cherchent, la garde à vue court. Dominique Rizet, les policiers ont arrêté un suspect, Mamadou Traoré. Mmh. Ils le placent en garde à vue. Ils ont 48 heures pour le faire craquer, le temps de la garde à vue, 2 fois 24 heures. Voilà, 48 heures maxi, sauf qu'ils ont un moyen de contourner le problème de la garde à vue. Parce qu'ils sont allés chercher dans le dossier judiciaire de Mamadou Traoré, qui a quand même fait pas mal de bêtises. En 96, il était condamné 3 fois. En mars, pour usage et détention de stupes, 5 000 francs d'amende, ça fait à peu près 700 euros. Au mois de juin 1996, pour une affaire de vol violence, là, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 240 heures de tige. Travaux d'intérêt généraux. Et une condamnation pour violence volontaire, c'est-à-dire une agression, qui s'est passée dans le 13e arrondissement, d'accord, à l'occasion de laquelle l'identité judiciaire Ligi va faire cette photo de lui. Mmh. Regardez la date. 17 septembre 1996. C'est 3 semaines exactement après l'agression et la mort de Nelly Bertrand, rue Caillot, dans le 13e. Donc pour cette 3e affaire de violence volontaire, il a été condamné mais à une amende, mais le juge a décidé de le laisser en liberté, placé sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire qu'il aurait dû pointer dans un service de police ou de gendarmerie régulièrement, ce qu'il n'a pas fait. Donc le juge a délivré contre lui un mandat d'arrêt. Et le mandat d'arrêt, il court. C'est-à-dire qu'il a effet immédiat. Dès qu'on l'arrête, on le met en prison. Donc les policiers de la crime sont tranquilles, parce que si, à l'issue des 48 heures de garde à vue, il leur a rien dit, on ne va pas relâcher Mamadou Traoré, le laisser partir dans la nature. On va le mettre au chaud en prison, directement, grâce à ce mandat d'arrêt. Et là, on va le garder sous le coude pour l'interroger éventuellement par la suite. Mamadou Traoré a donc été reconnu par le principal témoin de l'affaire de l'agression de l'assistante du ministre. Mais en garde à vue, il n'a rien lâché. Il a seulement expliqué aux policiers qu'il habitait rue Gandon. Et ça, les policiers qui sont dans le bureau d'à côté vont l'entendre. La rue Gandon, c'est à côté de la rue Caillot. Et la rue Caillot, c'est là qu'il y a eu un meurtre, celui de Nelly Bertrand. Et dans ce dossier, les policiers ont trouvé une empreinte ADN, des postillons et des empreintes digitales. Et si l'on comparait ces empreintes à celles de Traoré? Le 24 décembre, les policiers apprennent que l'ADN de Mamadou Traoré est le même que celui qui a été extrait du postillon de l'ascenseur. Le 7 janvier, l'identité judiciaire confirme que les empreintes relevées rue Caillot sont celles de Mamadou Traoré.
Le lendemain, Traoré est extrait de la maison d'arrêt de la santé et convoqué pour son premier interrogatoire au 36 quai des Orfèvres. Il est d'origine africaine. Moi-même, je suis né en Afrique. Et donc, nous avons pu discuter un peu d'Afrique. Il s'intéressait au football. Donc, j'ai discuté football avec lui. Il est arrivé dans mon bureau. Au début, il était assis très droit sur son fauteuil. Et à la fin, il était complètement avachi. Donc, ce qui me laissait à penser qu'il était plutôt détendu quand on a attaqué l'interrogatoire sur les faits. Le commandant commence par l'interroger sur l'immeuble de la rue Caillot où Nelly Bertrand a été retrouvée assassinée. Il lui présente une photo de l'immeuble. Traoré dit n'y avoir jamais mis les pieds. Le policier sait qu'il ment. Il insiste. Traoré comprend qu'il a des billes. Alors il m'a expliqué que ça lui arrivait de dealer du shit. Et que pour ce faire, ça lui arrivait de rentrer dans les halls d'immeubles et de faire sa transaction comme ça. Et que pour ce faire, il me fait des gestes comme ça pour m'expliquer, en fait, que dans l'obscurité, il cherche l'interrupteur. Et donc, j'ai pris ça, j'ai tapé sa réponse, et puis je lui ai dit que je comprenais pourquoi j'avais trouvé ces empreintes digitales. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous avez été ailleurs dans l'immeuble ? Il m'a dit non, je ne fais que mes transactions dans le hall d'immeuble. Et là, c'était le deuxième mensonge, parce qu'il ne voulait pas dire qu'il avait été au moins dans l'ascenseur. Et comme il a vu que j'insistais, que je ne le croyais pas, il m'a dit, puisque c'est ça, j'ai plus rien à te dire. Il n'est plus avachi comme il était au début de l'interrogatoire, il est maintenant sur ses gardes. L'interrogatoire dure 6 heures et Mamadou Traoré passe aux aveux. Il raconte qu'il a croisé Nelly Bertrand alors qu'elle promenait son chien, rue Gandon. Il l'a abordée, a fait un bout de chemin avec elle jusqu'au bas de son immeuble. Le lendemain, la jeune femme a occupé ses pensées toute la journée. Alors il est retourné rue Gandon dans l'espoir de la revoir. Vers 5 heures du matin, lorsqu'elle est apparue avec son chien, il s'est mis à marcher à côté d'elle. Il lui a déclaré qu'il souhaitait avoir une relation plus concrète. Elle lui a répondu qu'il perdait son temps. Il a insisté. Elle l'a rejeté sèchement. Alors, Traoré l'a frappé au visage avec son poing gauche. Elle est tombée. Elle s'est mise à crier. Il s'est affolé. Il l'a frappée encore pour la faire taire avant de la traîner à l'abri des regards. Cette agression, pour lui, c'est la réponse à une pulsion. Il a vu cette femme qu'il a trouvée belle, qui l'empêchait de dormir, et il a fallu qu'il se mette sur son passage. Et comme le contact s'est mal passé, il est devenu violent, et puis il l'a entraîné dans cet immeuble. Par contre, ce qui s'est passé le tête-à-tête avec la victime, ça, il n'y a que lui qui peut le dire. Il est 18h30 le 8 janvier 1997. Le policier clôt son interrogatoire. Il vient d'obtenir les aveux de Mamadou Traoré sans avoir eu besoin d'abattre sa carte maîtresse, l'ADN retrouvé dans l'ascenseur. Mamadou Traoré vient d'avouer le meurtre de Nelly Bertrand. C'est maintenant au tour de l'équipe Boisselier, qui enquête sur l'agression de la collaboratrice du ministre, de l'interroger. Le commandant Boisselier est persuadé que Mamadou Traoré est aussi l'auteur de l'agression du parking. Mais il n'a rien, ni empreinte, ni ADN. C'est dire s'il espère obtenir des aveux. Boisselier sait que les vieilles techniques policières ne marcheront pas avec Mamadou Traoré. Ce n'est pas parce qu'il a avoué un crime qu'il en avouera un second. Alors Boisselier lui parle de sa jeunesse. À nouveau, Traoré parle football. Boisselier l'écoute, puis l'entraîne sur un autre terrain. On sait qu'un petit point sensible, c'est sa mère aussi. Et sa mère, on lui dit, et ta mère, alors comment ça se passe avec elle ? Puis là, on sent que ça coince un peu. Il dit, ma mère, elle m'a abandonné, ma mère, elle ne veut plus me voir, elle s'est remise avec un autre. Là, on sent que c'est le point sensible. On se dit, là, il faut creuser là-dedans. Et là, je lui dis,
Écoute, ta mère, si on va la chercher maintenant. Elle dit, de toute façon, elle ne viendra pas. Je dis, écoute, on va la chercher, tu vois ta mère. T'es d'accord? Elle me dit, banco, mais je dis, mais alors, si je vais chercher ta mère, tu me racontes un petit peu ce qui s'est passé. Va chercher ma mère, on verra. On va chercher la mère, c'est dans la nuit, enfin, début de nuit. Hein. On va la chercher, on l'explique, elle vient, bien sûr. On les met ensemble, ils tombent les bras l'un de l'autre, ils pleurent, et puis on le remet avec nous. Grand silence. Je dis alors, elle me dit, t'as été correct, c'est bon. D'accord, c'est moi. Sur l'affaire du parking, c'est moi. Donc là, il y a une mouche qui vole, hein, et, c'est la nuit, c'est bien, c'est parfait, il n'y a pas de téléphone qui sonne. Et là, il nous raconte ce qui s'est passé. Il raconte comment il s'est introduit dans le parking. Sa rencontre avec Annie. Comment il est resté là, plus d'une heure, sans arriver à se décider, guettant l'occasion de dépouiller quelqu'un. Il raconte cette jeune femme qui sort de la voiture et vient vers lui, qui crie en le voyant et s'enfuit en courant. Il raconte les coups de poing, les cris, les coups de pied au visage pour la faire taire. Il dit avoir saisi son sac et pris la fuite avant de revenir vers elle. Il dit là, j'ai une pulsion, j'ai quelque chose qui se passe en moi, comme sur Nelly Bertrand, ce qu'il nous dit. Il dit, il faut que j'aille faire quelque chose de sexuel sur elle. Donc il retourne sur elle, elle le voit encore arriver. C'est ce qu'il nous dit, hein. On n'a que sa version, personne ne peut le contredire, mais elle le voit arriver, elle est consciente, elle se remet à crier, il la refrappe. Et là, à ce moment-là, il la prend par les deux jambes et il la traîne sur le parking. Et jusqu'au sas où, effectivement, il est tranquille. Il a sa proie, il la dépose un petit peu comme, une bête fauve. Vous voyez, elle a pris sa proie, elle l'a tuée. Maintenant, on l'a mis dans un endroit tranquille, on va pouvoir jouer avec. Boisselier demande alors à Traoré d'expliquer ce qu'il a fait lorsqu'il s'est retrouvé seul avec la victime. Il nous dit qu'il la déshabille et qu'il procède à des attouchements sur elle, en nous disant qu'il n'a pas passé à l'acte sexuel lui-même, de peur de se faire surprendre. Il nous dit également, je n'ai pas fait ça non plus, je n'arrivais pas à bander, parce qu'à cause du visage, tu méfiais de la victime. Vous imaginez un petit peu l'horreur. Et pour aller au comble de l'horreur, faut quand même pour lui, il nous dit qu'en fait, quand il la tripote, la victime prend du plaisir. 3 semaines plus tard, les chirurgiens de la Pitié-Salpêtrière informent la police que Florence est sortie du coma. Ses jours ne sont plus en danger, mais à son réveil, elle ne reconnaît pas son propre visage. Elle est défigurée. Lorsque la victime est en état d'avoir une conversation normale, je la rencontre et elle ne se souvient de rien. Et il y a un moment tout à fait poignant où je lui demande de venir me voir pour que je lui explique le scénario qui s'est déroulé dans le parking. Et c'est donc une configuration tout à fait particulière lorsque c'est à l'avocat d'indiquer à son client quels ont pu être les faits dont il a été l'objet. Et il y a eu un moment très fort entre nous lorsque cette femme qui était venue avec son dossier médical m'a montré une photo d'elle pour me dire voilà ce que j'étais avant. On a vraiment le sentiment, quand on a mis Mamadou Traoré hors d'état de nuire, vraiment de servir à quelque chose. Là, parce qu'il n'était pas serré, il y en avait 2, 3, 4, 5 derrière qui passaient. Hein. Monsieur le juge, les policiers ont donc obtenu le double aveu de Traoré. Vous allez tenter d'organiser une reconstitution sur les différents lieux des crimes. Là, il jouera un peu moins le jeu quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors c'est un peu le paradoxe du personnage, c'est qu'au début, il essaye d'être gentil, si j'ose dire, ou en tout cas de répondre un peu à la demande. Et puis c'est vrai que lors de la reconstitution, confronté à sa propre réalité ou confronté à lui-même, il n'a pas supporté et donc il a fait une espèce de réaction, alors on peut appeler ça comme on veut, cirque, cinéma ou autre, sincère, pas sincère, je sais pas. Il n'a pas voulu refaire les gestes. Il n'a pas voulu. Alors moi, par contre, je n'ai pas accepté qu'il se comporte comme ça, donc on l'a obligé à suivre.
Alors là, il a été extrêmement dur, il a pratiquement fallu le pousser, le traîner, il a craché, il s'est énervé, il a insulté les policiers, enfin, on a eu un grand cinéma. Un mois plus tard, vous procédez à ce qu'on appelle un interrogatoire de fond. Là, il est beaucoup moins coopératif que lors de l'interrogatoire de première comparution. Progressivement, pour des raisons que je ne connais pas et qui lui appartiennent, il a minimisé son rôle, il a essayé d'en dire le moins possible. Dès qu'on l'interrogeait, il ne se souvenait pas, c'était son grand truc. Je ne me souviens pas, j'ai oublié. Et puis il y a un moment où c'est vrai qu'il y a cette anecdote où c'est assez odieux, où il dit qu'il est même revenu vers la victime pour essayer de lui porter secours, alors que manifestement, ce n'était pas du tout dans ses intentions. Mamadou Traoré a-t-il commis d'autres crimes avant ? Les policiers en sont persuadés. Et comme maintenant, ils ont sa carte d'identité génétique, ils vont pouvoir ressortir tous les dossiers non élucidés et lui mettre sur le dos deux nouvelles affaires. Dans la nuit du 21 au 22 octobre, une semaine avant l'agression du parking, Mamadou Traoré a agressé une jeune fille de 20 ans. Il l'a attaquée rue d'Astor, dans le 8e arrondissement, à deux pas du ministère de l'Intérieur. Elle s'appelle Marie-Astrid Claire, et ce soir-là, elle rentrait d'un dîner chez des amis. Il était 4 heures du matin. Une caméra de vidéosurveillance a enregistré la scène. On la voit arriver sur le trottoir et on aperçoit derrière un homme grand et elle qui est déjà très grande, il avait l'air encore plus grand, noir, les cheveux courts et assez baraqué, qui la suit à une vingtaine de mètres. Et au moment où elle rentre chez elle, donc elle ralentit pour faire le code sur la porte de son immeuble, il la rattrape et on le voit lui donner un coup sur le visage par derrière. On la voit s'effondrer et ensuite on voit Mamadou Traoré la traîner par les cheveux dans cet immeuble un peu reculé de la rue. Vers 4h30, l'agent de sécurité chargé de surveiller cet immeuble aperçoit Traoré qui quitte les lieux. Il sort dans la rue, entend les gémissements de Marie-Astrid et découvre la jeune femme le visage ensanglanté, à moitié dévêtu, derrière le local à poubelle. Il alerte immédiatement les secours qui la transportent aux urgences de l'Hôtel Dieu. Quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai vu quelqu'un qui était défiguré. On m'a dit que c'était cette chambre-là. Je suis rentrée dans la chambre, mais il m'a fallu peut-être une ou deux secondes avant de me dire, mais oui, c'est bien elle. Elle ne ressemblait pas à un être humain. Enfin, c'était inimaginable. Je me suis dit, physiquement, elle ne ressemblera plus jamais à la personne que je connaissais avant. Les examens gynécologiques montrent que Marie-Astrid a été violée. Des prélèvements de sperme sont effectués. Trois semaines plus tard, Marie-Astrid peut rentrer chez elle. Comme toutes les autres victimes, elle ne se souvient de rien. Sa guérison va prendre beaucoup de temps. Même si j'étais un peu amochée, j'étais vraiment contente d'être en vie et je ne cessais de penser ça. Et puis ensuite, quelques temps après, je me suis... Enfin, l'euphorie a un peu cessé et c'était quand même pas facile d'entretenir avec... Enfin, ça a évidemment détruit un certain nombre de choses... comme la confiance qu'on peut avoir parfois dans des inconnus ou dans des hommes. Enfin, pendant un petit moment, j'ai senti ça, mais je l'ai combattu immédiatement en me disant qu'il fallait que je continue à faire confiance, à aimer. Et voilà, alors bon an, mal an, ça a été un réapprentissage, une sorte de réapprentissage, mais j'ai l'impression qu'avec beaucoup de volonté, peut-être un peu de déni, ça m'a pas laissé de cicatrices trop... Enfin, les cicatrices se sont refermées. Marie-Astrid reçoit un nouveau choc quand elle apprend par la presse
que Mamadou Traoré est séropositif. Heureusement, elle n'a pas été contaminée. Mais cette année-là, la jeune étudiante en lettres ne parvient pas à soutenir son mémoire de maîtrise. À la bibliothèque, je regardais les personnes qui travaillaient autour de moi et je me disais, mais qui a été violée, qui... Et ça ne pouvait pas se voir, et moi, évidemment, ça ne se voyait pas sur mon visage, et ça ne se voit toujours pas sur mon visage que j'ai été violée. Tant mieux, d'ailleurs. Mais en même temps, enfin, aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai envie d'en parler, c'est que je trouve que ce n'est pas honteux, que c'est des choses qui arrivent à beaucoup, et que ça vaut la peine de sortir du tabou qu'il peut y avoir, parce que c'est évidemment pas la victime qui a à se sentir honteuse ou responsable de ça. Il y a quand même un point qui m'intrigue, Dominique. Comment se fait-il que toutes les victimes de Mamadou Traoré soient amnésiques ? Toutes ! Alors, elles sont amnésiques et curieusement, ça n'est pas une amnésie qui est liée au stress ou au choc psychologique qu'elles ont subi, ce qu'on pourrait comprendre, mais c'est une amnésie qui est la conséquence directe de la violence des coups qu'elles ont reçus. Vous savez que les policiers ont pensé pendant un temps que leur agresseur avait utilisé une batte de baseball tellement les blessures étaient profondes et graves. Je rappelle qu'elles ont toutes des fractures du crâne, fractures des maxillaires, des cavités temporales, orbitales, nasales. Elles ont saigné en abondance et ces saignements, ces hématomes à la tête ont provoqué, pour certaines, des comas. Et en sortant du coma, toutes souffraient de dysmésie. Ce sont des troubles de la mémoire qui font qu'on perd, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé ni au moment de l'agression, ni dans les minutes qui ont précédé. On parle de lacunes mnésiques rétrogrades. Par exemple, une personne qui a un accident de la route, eh bien, au moment où elle va sortir du coma, elle va se souvenir de choses de son enfance, de souvenirs de son enfance, mais rien sur l'accident, ni les minutes qui ont précédé, ni même parfois les jours qui ont précédé l'accident. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que par exemple, Danielle Batty, quand elle est interrogée après son agression, elle dit des choses, elle semble se souvenir de choses, puisqu'elle désigne le tenancier du karaoké avec lequel elle aurait dîné et qui lui aurait fracassé la tête. Alors c'est faux, mais elle semble se souvenir de quelque chose. Et alors ensuite, le temps passe, et elle ne se souvient plus de rien. Ben là aussi, Christophe, c'est un symptôme classique de l'amnésie post-traumatique. Pour vous donner un exemple, les Américains ont mené des études sur les footballeurs américains qui subissaient des chocs violents au cours d'un match. Hein ? Quand on transportait le joueur sur la civière dans l'instant qui suivait, s'il était encore en état de parler, il pouvait se souvenir de phases qui venaient de se passer dans le jeu juste avant. Il gardait la mémoire immédiate. Au fur et à mesure que passent les minutes, qu'on s'éloigne du moment de l'accident, eh bien, tout ça disparaît. Pourquoi ? Parce que le cerveau n'archive plus, un peu comme un ordinateur dont on n'aurait pas sauvegardé les données. C'est aussi simple que ça. Et les victimes de Mamadou Traoré, aujourd'hui, ne se souviennent plus, aucune d'entre elles, ni du moment de l'agression, la mémoire ne leur est jamais revenue, ni de ce qui s'est passé dans les minutes, parfois pour certaines les jours qui ont précédé. Et là, on parle d'amnésie rétrograde permanente. L'agression de Marie-Astrid Claire a eu lieu le 22 octobre. Trois jours plus tard, le 25 octobre, Mamadou Traoré était à Neuilly-sur-Seine. Et cette fois, il l'a tuée. Et la victime s'appelait Francine Sarré, elle avait 71 ans. C'est l'ADN extrait de cette bouteille de soda qui va permettre aux policiers de la brigade criminelle d'identifier Mamadou Traoré comme étant l'auteur du meurtre de Madame Sarré. Madame Sarré est morte le 25 octobre 1996. Elle vivait seule dans un appartement cossu de Neuilly. Son majordome l'a découverte au petit matin, morte, près de son lit, le corps roué de coups et encore dénudé. C'est lui qui a appelé la police. Quand j'ai vu cette femme qui était, coincée entre le lit et les murs, du sang partout. Elle présentait sur son visage un oreiller, comme si on avait voulu étouffer les cris aussi qu'elle aurait pu proférer. Une scène de crime assez particulière. Dans le salon luxueusement meublé,
une commode dont deux tiroirs sont ouverts. Sur un fauteuil, un bougeoir en argent cassé. Et sur le pied, des empreintes digitales. En bas de l'immeuble, les policiers trouvent une bouteille de soda ouverte. Ils envoient au laboratoire. Ils pensent à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais l'autopsie leur apprend qu'ils n'ont pas seulement affaire à un vol, suivi d'un meurtre. Il y a une lésion vaginale, c'est-à-dire qu'il y a eu pénétration, il y a eu introduction de quelque chose dans le vagin de cette femme-là. N'oubliez pas que cette femme-là a 71 ans. Donc vous voyez, c'est très particulier là. On se dit, mais on tombe sur un pervers. L'enquête en était là, depuis 2 mois, sans suspect, quand la police a mis la main sur Mamadou Traoré. L'ADN et les empreintes collent. Traoré avoue sans difficulté. Il raconte avec d'ailleurs force détail ce qui s'est passé, à savoir qu'il était sur Neuilly. Il dit cette phrase, « Je zonnais avec des garçons de Neuilly », ce qui est possible d'ailleurs, et en passant devant la résidence de Madame Sarré, il pénètre par escalade dans un appartement, il a faim, il se précipite vers le réfrigérateur, se sert à manger du poisson, je crois, et boit une bouteille de coca qu'il décapsule avec ses dents et commence à fouiller dans l'appartement. Il arrive dans la chambre à coucher où dormait Madame Sarré, qui bien sûr paniquait, se met à crier, lui prenant peur, essaye de la faire taire et par là même lui met l'oreiller sur la figure et l'étouffe et lui donne force coup. Et le viol. Traoré a une version surprenante. Il savait qu'il était coincé. Il a donc apporté sa propre version des faits en induisant qu'il était une relation d'occasion de Madame Sarré et il s'est présenté comme un gigolo et qu'il avait récupéré cette dame dans une de ces maisons sélectes où des dames, disons, âgées vont s'encanailler avec de jeunes et élégants jeunes virils. Ma mère, non, parce que c'était une femme du monde. Elle ne sortait d'abord jamais seule. Elle sortait, elle avait une voiture, mais elle sortait toujours en taxi. Elle sortait toujours accompagnée dans des dîners, dans des cocktails. Et si vous lui aviez parlé de Montreuil ou d'Aubervilliers ou de tel ou tel arrondissement, elle ne connaissait pas. Elle avait suffisamment peur pour ne pas trop sortir dans des quartiers qu'elle ne connaissait pas. Et de 4, voilà Mamadou Traoré impliqué dans 4 crimes, dont 2 meurtres. Et ça n'est pas fini. L'instruction va permettre d'ajouter 2 crimes à la liste, l'agression de la petite fille de 11 ans pendant son sommeil et celle de Daniel Batty, pour laquelle on avait soupçonné au début le gérant d'un karaoké. Le 24 janvier 97, c'est au tour de la brigade des mineurs d'interroger Mamadou Traoré. Ce sont ses empreintes qu'elle a relevées dans la chambre de la petite fille. Lorsque je suis allée chercher Mamadou Traoré à la prison de la Santé, lorsqu'il est apparu devant moi, il avait dû se battre avec un co-détenu ou parce qu'il y avait, il avait du sang sur la main. Incarcéré depuis plusieurs semaines, Mamadou Traoré agresse co-détenu et surveillant. Pour ses geôliers, c'est un fou dangereux qui n'a rien à faire en prison. Quand Marie-Josée Laridan va le chercher, ses collègues de la criminelle l'ont prévenu. Traoré ne parlera jamais à une femme. Ils sont tort. Traoré lui raconte que dans la nuit du 3 au 4 juin, il se promenait seul, au hasard des rues, avec l'intention de commettre un cambriolage. Il a remarqué une fenêtre ouverte au premier étage d'un immeuble. Il l'a escaladée. Là, il rentre, il est dans le noir, il fouille, et puis tout d'un coup, il entend « qui c'est ?». Et là, il me déclare qu'il a eu peur, et la voix était proche de lui, et ben, pour se défendre, il a tapé, il a donné des coups de poing.
Et comme la personne est face à lui et l'empêche de partir de la chambre, eh ben, il donne des coups, il tape devant, il donne des coups au visage, il donne des coups au visage. Et après, il arrive à se sauver. Les policiers comprennent maintenant d'où vient l'étrange marque ronde observée sur le visage de l'enfant. En lui montrant sur le visage de la victime la trace ronde qu'on avait trouvée, il nous a raconté que c'était sa chevalière qui avait causé cette trace. Quelques jours plus tard, Mamadou Traoré reconnaît avoir agressé Daniel Batty devant le Queen Bee le soir du 23 avril pour lui dérober son sac. Il lui a porté deux coups de poing au visage avant de la traîner jusque dans l'immeuble dont il connaissait le code. Dans le hall, il lui a retiré son collant, imposé des attouchements. Jusqu'à ce qu'un bruit dans un appartement du rez-de-chaussée le pousse à prendre la fuite en emportant le sac à main. Au total, Mamadou Traoré a fait 6 victimes entre le mois d'avril et le mois d'octobre 1996. 6, dont 2 sont mortes. Les 4 qui ont survécu ont gardé des séquelles de leur agression, des trous de mémoire. Traoré est maintenant à la prison de la santé. Les policiers peuvent se pencher sur son passé. En prison, Mamadou Traoré reçoit la visite des psychiatres chargés d'expertiser sa personnalité et de déterminer s'il est responsable pénalement. C'est une personnalité qu'il est convenu d'appeler psychopathique, c'est-à-dire un déséquilibre psychique marqué dès l'enfance par l'instabilité, par l'impulsivité, les difficultés à intégrer les normes, le langage. C'est des gens qui sont incapables de différer leurs désirs, qui ne tolèrent absolument pas la frustration et qui procèdent par des passages à l'acte violents, qui se droguent ou qui s'alcoolisent. Voilà. Et il est dans cette catégorie-là, incontestablement. Et ça, depuis le jeune âge, puisque à l'adolescence ou à la préadolescence, il a déjà affaire au juge des enfants. À 15 ans, le jeune Mamadou était déjà connu des services de police du 13e arrondissement pour des vols et des violences. En échec scolaire, il avait quitté le collège et fréquenté les bandes du quartier. Après une agression dans le métro, un juge des enfants l'avait envoyé dans un foyer pour adolescents. Quand il arrive dans l'établissement, il ne comprend pas pourquoi subitement il s'est mis à taper sur quelqu'un, il ne comprend pas subitement pourquoi la justice le place, donc il y a besoin de commencer un travail avec lui. Les éducateurs détectent chez lui une personnalité hors norme. C'est un adolescent en grande souffrance. Pour nous, c'était difficile de pouvoir soutenir tel élément avec lui sans le contrarier. On était obligé de lui dire « Mais Mamadou revient à une évidence, ce que tu nous dis, on ne comprend pas. Mamadou, quand tu dis qu'à l'école tu ne veux pas y aller, explique-nous pourquoi. Quand tu dis qu'un tel, tu vas lui casser la figure, explique-nous pourquoi. » Il ne comprenait pas les paroles qu'il disait et il les disait. Et quelquefois, il les disait dans une confusion qui faisait penser qu'il parlait comme si ce n'était pas lui. Mamadou Traoré entend des voix. Il parle d'envoûtement, de possession, de gris-gris. Les éducateurs désemparés l'envoient consulter un ethnopsychiatre. À un moment donné, on a fait le tour de la question et effectivement, ce qui lui arrive, c'est l'envoûtement, ce qui lui arrive, c'est le maraboutage. Donc on dit ça, nous on n'a pas. Nous on a des psychologues, on a des lieux d'écoute, on a des lieux de parole, mais on n'a pas le maraboutage ou les marabouts, on n'a pas ça en stock. Et c'est ainsi que commence à se construire l'idée d'un retour au Sénégal. Et on propose à la famille d'acheter le billet, aller-retour, et qu'elle puisse envoyer son fils. Mamadou Traoré part donc au Sénégal début juillet 1989. Il a alors 16 ans. Il se croit possédé
et il rentre au pays pour se libérer de cet envoûtement qui est la source de tous ses problèmes. Il y restera 5 ans. Maître Honorat, vous êtes l'un des avocats commis d'office de Mamadou Traoré. La première fois que vous le voyez, quelle impression vous fait-il ? Je vois quelqu'un en prison que je ressens immédiatement comme extrêmement impulsif, à la fois très renfermé et susceptible d'exploser à chaque instant. Chaque rendez-vous avec lui sera susceptible d'être difficile. Je suppose que très vite, vous parlez avec lui de son histoire personnelle, de son enfance. Qu'est-ce qu'il vous dit sur ses parents ? Alors, les parents, c'est une dimension très importante de ce dossier. Ils sont sénégalais, son père est de culture musulmane et sa mère est sérère. Elle est de confession catholique. Il est natif de Joal, le village de Léopold Sédar Senghor. Et dans le village de Joal, il y a des pratiques vaudoues. Et ces pratiques vaudoues, ce sont les femmes. Et sa mère est liée à ces pratiques. On saura par une enquête de personnalité que Mamadou a fait l'objet de rites d'aspersion sanglante immédiatement après sa naissance et qu'apparemment, c'est ce que sa mère me dira en tout cas, tous les ans, à la date de son anniversaire, pendant les 3 premières années de sa vie, il sera soumis à ces rites particuliers. Aspergé de sang, c'est ça ? Aspergé de sang, et sa sœur dira qu'il a une réactivité particulière au sang et à la couleur rouge. Apparemment, il y a un écho traumatique chez lui qui est lié à ça. Au moment de son adolescence, il est décidé qu'il va rentrer en Afrique. On décide donc de le renvoyer en Afrique, pensant qu'il trouvera là-bas un meilleur équilibre qu'en France. En réalité, il vit très très mal ce déracinement. Il n'est pas à sa place là-bas. À la mort de son grand-père, ses rapports sont très difficiles avec ses oncles, qui apparemment ont peur de lui, parce qu'on considère que c'est quelqu'un qui a un rapport avec les forces maléfiques. Il y a des tentatives de désenvoûtement à l'époque ou pas, quand il est en Afrique ? Il dit qu'il a fait à ce moment-là, à l'initiative de son père, l'objet d'un rite de désenvoûtement par un marabout. Qui n'a pas porté ses fruits. Qui n'a visiblement pas porté ses fruits. Il dira d'ailleurs, et c'est sa conviction, que là sera la source de ses problèmes et de sa dérive criminelle postérieure. En 1995, Mamadou Traoré doit rentrer en France pour effectuer son service militaire. À cette occasion, il apprend qu'il a contracté le sida en Afrique. Il a alors 22 ans. Il est réformé. Il revient vivre chez sa mère, mais la situation se dégrade rapidement. Il se met à vendre de la drogue et en consomme de plus en plus. Les conflits avec son beau-père, qu'il considère comme un usurpateur, se multiplient. À plusieurs reprises, Mamadou le menace avec un couteau. Alors un soir de mars, sa mère le chasse définitivement de chez elle. Sa mère l'a rejeté très violemment, a appelé la police. Et la police est venue, c'était la nuit, ça je me souviens du 13 mars, je crois. La police est venue, et là on a le témoignage des deux policiers qui étaient là. Sa mère a dit que s'il restait là, elle saignait, hein, qu'elle voulait qu'il parte. Lui, à ce moment-là, a fait une tentative de défenestration, et la description de la police, toujours, qu'ils l'ont repris, et du coup, ils l'ont emmené à l'infirmerie psychiatrique. Chassé par sa mère, Mamadou Traoré se retrouve à la rue. Commence alors une vie d'errance dans le 13e arrondissement. Il loge dans de petits hôtels du quartier, parfois chez un copain, toujours à deux pas de là où habite sa mère. De cette période, il dit « J'avais la haine en moi, je me voyais finir clochard. La vie que je menais, je vivais comme un rat. J'ai froid, j'ai faim. » Je suis dans la merde. Tous mes rêves s'écroulent. Ça a explosé, plus ma séropositivité. Un mois plus tard, Traoré agresse sa première victime, rue Philibert Lucot, à 50 mètres de l'appartement de sa mère. Tous les tueurs en série ont souffert terriblement
de leur rapport étant enfants à leur mère. Ils ont tous été l'objet de mauvais traitements, soit purement psychologiques, soit parfois carrément physiques, de la part de leur mère. Donc il y a cet aspect, chez Mamadou Traoré, de matricide déplacé. C'est comme si ils tuaient leur mère sans en avoir conscience. Quoi qu'il en soit, les experts ne considèrent pas Traoré comme un malade mental. Ils le déclarent responsable de ses actes, il sera donc jugé. Et le procès s'ouvre le 7 février 2000 devant la cour d'assises de Paris. Dans le box des accusés, le tueur aux mains nues se pose en victime. « Je n'ai pas tué, un marabout m'a jeté un sort ». S'ouvre alors un étrange procès. On est 4 ans après les crimes. Pour les victimes, pour les familles, l'attente a été longue et angoissante. Pendant 4 ans, j'ai attendu ce procès. Je l'ai attendu sereinement, en me disant que... Mais c'était quand même toujours là, et c'était quelque chose... C'était une épreuve qui m'attendait, d'autant plus que je craignais, en voyant le visage de Traoré, de me souvenir de l'agression. Donc il y avait un point d'interrogation pour moi qui était un peu angoissant. Les victimes vont enfin pouvoir entendre l'homme qui les a massacrés. La tension est extrême quand Mamadou Traoré entre dans le box des accusés. Et d'emblée, le personnage est inquiétant. Dès l'ouverture de l'audience, Traoré dévisage tout le monde et devant un auditoire médusé, s'adresse directement aux victimes. Il les fixe et il leur dit textuellement je ne peux pas m'excuser de ce que j'ai fait parce que ce n'est pas moi, j'ai été marabouté. J'ai été ensorcelé et donc je ne peux pas m'excuser. Et c'est vrai que en première impression, au tout début d'une audience, c'est la consternation. Son avocat, Maître Nora, semble complètement anéanti. Le président Yves Corneloup le regarde, l'air très étonné. Il y a donc une espèce de gêne, parce qu'on sent d'emblée que cet homme ne fera pas face et ne donnera pas les explications que tout le monde attend de lui. Le premier jour est consacré à l'examen de personnalité de l'accusé. Le président Corneloup a fait venir les parents de Mamadou Traoré. C'est le père qui vient le premier témoigner à la barre. Et à ce moment-là, coup de théâtre, Mamadou Traoré se lève de son box et dit « Tu es un père indigne. Tu m'as emmené voir un marabout, tu m'as fait ensorceler, j'ai porté son gris-gris, c'est à cause de toi, tu as détruit ma vie. » Puis c'est la mère qui témoigne. Le président prend le relais en disant « La naissance de votre fils a-t-elle été entourée de rites vaudous ?» Et là, la femme se trouble. On sent qu'elle perd pied et elle répond cette curieuse phrase « Je ne préfère pas en parler ici. » Le président reprend la question en lui disant « Mais est-ce que vous croyez aux rites vaudous ?» Et elle répond « Oui. » Voilà le début de la déposition de cette femme. Le président continue en lui disant « J'ai lu quelque part dans le dossier que vous l'appeliez l'enfant du diable. Est-ce exact ?» Et elle répond « Oui. » Sa mère l'appelait l'enfant du diable. Vous l'avez vu, vous, sa mère ? J'ai vu sa mère, bien sûr, elle est venue au procès témoigner. Elle-même était convaincue d'une forme d'invincibilité de son fils, d'une forme de supériorité spirituelle et en même temps d'un attrait presque fatal, irréversible de Mamadou vers des aspects sombres qui étaient pour elle l'explication de toute cette affaire. Donc au fond, elle adhère 100% à sa défense, sa maigre défense. En cours d'instruction déjà,
elle était persuadée qu'il ne serait pas jugé et qu'il sortirait de prison par une sorte d'effet magique. Comment est-ce qu'il se comporte pendant l'audience? Comment est-ce qu'il argumente sur cette affaire d'envoûtement? C'est quelque chose qui revient à l'occasion de chaque question. Il dit que le marabout en Afrique lui avait offert un pendentif qui était la clé du sortilège et que ce pendentif, après le dernier fait criminel qui lui est reproché, serait tombé, se serait brisé, il se serait réveillé en quelque sorte. Et c'est à ce pendentif qu'il attribue sa violence, son déphasage, cette incapacité à vivre en société. Et les meurtres donc. D'après Mamadou, ce pendentif le conduirait à agir sous l'impulsion du marabout, l'amènerait à commettre des actes qui ne sont pas volontairement commis par lui, mais qu'il exécute sous l'impulsion d'une force extérieure. Mardi 8 février. Depuis que le président Corneloup a commencé l'examen des faits, le système de défense de Traoré est de plus en plus inconsistant au regard des crimes commis. À la sortie de l'audience, les parents de Nelly Bertrand sont abasourdis. Non. On lui a écrasé le crâne. Et elle partait travailler. Elle partait pour travailler. Emmener son chien le matin pour aller travailler. Oh, avant c'est, d'aller prendre c'est un sauvage. L'avocat général Philippe Bilger souligne l'étrangeté des crimes. Un objet criminel non identifiable. Si j'avais à classer Mamadou Traoré dans l'ensemble des affaires que j'ai eues aux assises, je dirais qu'il est très frappant par la violence exceptionnelle qu'il a manifestée au cours de ses crimes. Il y a une hypertrophie de la sauvagerie et de la cruauté. Il y a une sorte de déchaînement de force, de déferlement d'agressivité, comme une sorte de bête sauvage, parfois tapie dans la nuit, qui fondait sur ses victimes, avec un terrible poing gauche qui faisait des dégâts considérables, qui assommait ses victimes. Pour moi, c'est cela, c'est ce mélange d'extrême violence, de rapidité, de dissimulation, quelque chose presque d'inhumain. L'audience est éprouvante pour les victimes, car l'accusé, lorsqu'il reconnaît les faits, soutient avec force qu'il n'est pas responsable. Quand la violence se déchaînait, dit-il, je n'étais plus moi-même. Et Traoré semble n'avoir aucune compassion pour ses victimes. Traoré s'est adressé à moi, alors qu'on ne lui avait rien demandé, en me disant, oui, mais je la trouve très courageuse, mais ça ne doit pas être facile dans la rue. Chez les victimes, on sent toujours un certain symptôme. Et j'ai trouvé ça tellement insupportable que... Enfin, il y a quelque chose de très fort en moi qui est sorti à ce moment-là et je lui ai répliqué avec toute la violence verbale dont j'étais capable, mais ça suffit, c'est insupportable. Et j'ai répliqué comme ça et ça m'a vraiment aidée à me sentir plus forte que lui. Jusqu'au bout, l'orgueil de Mamadou Traoré a été plus fort que son intérêt judiciaire. Jusqu'au bout, il a maintenu, dans la plus grande confusion, la thèse du maraboutage. Après une longue semaine d'audience, vient le moment attendu du réquisitoire. Et l'avocat général demande le maximum. Il y a très peu d'accusés au sujet desquels on peut avoir la certitude absolue que s'ils étaient relâchés à l'air libre, ils recommenceraient immédiatement les crimes commis avant, parce que tout simplement, ce sont des êtres qui portent en eux des virtualités de coupables évidentes et qui en même temps, j'ose le dire, sont la proie d'un délire, voire d'une difficulté d'être qui les rend d'une certaine manière encore plus dangereux. Donc je n'avais pas le moindre doute que si j'avais fait preuve de faiblesse dans mes réquisitions, il y aurait eu des conséquences redoutables et dévastatrices pour la société.
Maître Nora, l'avocat général vient de demander la peine maximum, perpétuité avec 22 ans de sûreté. C'est maintenant logiquement à vous de plaider. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? 10 minutes avant de plaider, je ne sais pas si je vais pouvoir prendre la parole. Je sens qu'il est possible que Mamadou Traoré me coupe la parole à chaque instant. Et finalement, c'est lui ou c'est vous qui plaide ? Et finalement, je plaide. Les débats ont été pesants. Et je sais que toutes les portes de discussion sont fermées. Et qu'il va me falloir essayer de l'humaniser aux yeux des jurés, leur faire comprendre des choses auxquelles un esprit occidental est rétif. Alors je plaide l'acquittement. C'est étonnant ça quand même, parce que il a commis les faits, il le reconnaît. Plaider l'acquittement, c'est plaider le vaudou. Je plaide l'acquittement pourquoi ? Je plaide l'acquittement parce que c'est sa position et que je me dois de la respecter. Si je ne prends pas cette position, je sais qu'il va m'interrompre et que personne ne plaidera pour lui. J'ai derrière moi quelqu'un qui est en train de s'effacer, de basculer définitivement dans la folie, et c'est comme si j'essayais de le tirer à moi, de le ramener dans une rationalité et de le ramener dans la compréhension de ce qui s'est produit, en me disant que ce moment-là, je n'ai pas le droit de le lui voler. Je conçois ma plaidoirie comme un élément susceptible de lui permettre d'accéder aux éléments de compréhension de sa culpabilité et peut-être demain de pouvoir vivre avec cela. Avant que le jury ne se retire pour délibérer, la parole est à l'accusé. Mamadou Traoré va nous dire « Mais vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis finalement. Donnez-moi un ballon de football et je vais vous montrer de ce dont je suis capable. » Voilà les derniers mots qu'il livre à la cour au moment où la cour va partir pour délibérer. Donnez-moi un ballon de football et vous allez voir ce dont je suis capable. Le 15 février 2000, après 3 heures de délibéré, les jurés condamnent Mamadou Traoré à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, suivant ainsi le réquisitoire de l'avocat général. Au prononcé du verdict, il reste silencieux. La perpétuité, c'est moche, mais malgré tout, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre ? Je pense que voilà, la société se protège. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de moyen de le soigner ou de l'empêcher de nuire à la société. Sans en venir à un enfermement à vie, quoi. Depuis sa condamnation, Mamadou Traoré fait des allers-retours entre la prison de la Santé, Fresnes et d'autres centres de détention au rythme de l'exaspération des surveillants. Pour l'administration pénitentiaire, c'est un détenu très difficile à gérer, aux accès de colère incontrôlables. Pour être clair, il serait mieux en hôpital psychiatrique qu'en prison.